Bonjour à tous, on se retrouve sur Equestrian The Game, Highland, la saison 6. Donc, on va la découvrir ensemble. Donc, je viens juste de me connecter. Je récupère mes. Voilà, la saison 6. Alors, de ce que je vois, il a l'air d'avoir du marine en équipement pour le cheval. Bon, la tenue du cavalier, pour l'instant, celle qu'on voit, c'est vraiment écossaise. Donc, en priorité, on va aller voir les nouveaux parcours extérieurs, donc carrière et les chemins de balade. Donc, je vais d'abord aller sur les chemins de balade. Je suis un peu triste quand même que la saison soit finie, parce que c'est vraiment une saison que j'aimais bien. Oula, il pleut, ouais. Bienvenue en Écosse. Donc, est-ce qu'il pleut partout ou c'est juste un endroit? Donc, c'est verdoyant, il y a beaucoup de pierres. Ça a l'air assez grand pour se balader. Ouais, il va y avoir beaucoup de vidéos, je pense, pour aller découvrir tout ça. Je trouve vraiment intéressant d'avoir des chemins de balade comme ça. On va s'amuser en balade. Bon, je suppose qu'il doit y avoir un pont quelque part ou quelque chose pour gagner du mental à notre cheval. J'aimerais bien aller voir de quoi il s'agit. Bon, je vois qu'il y a un plan d'eau, donc il doit sûrement y avoir un pont. On a des trials, donc ça va être intéressant aussi de les faire pour découvrir un peu tous les endroits. On le fera certainement sur une prochaine vidéo. Pour l'instant, je vais juste voir un peu en gros le décor. Est-ce que les chevaux peuvent aller dans l'eau? Oui, mais ils se noient. Bon, déjà les endroits étroits qui font peur, c'est déjà ça. Bon, il y a l'air de pleuvoir vraiment partout en extérieur. On a des beaux sapins. Ça change vraiment le décor, hein. Là, on a vraiment quitté l'Amérique. Ah, on a un petit parcours de crosse. Donc, ça va quand même nous permettre en balade d'entraîner les chevaux en obstacle. Bon, moi qui ai plus que des jeunes chevaux, parce que je garde que les poulains de mes repros, ça va me servir. Ouais, la map a l'air grande, hein. Ça a l'air super chouette. Ah, tiens, on va peut-être aller visiter un peu là. Ça a l'air d'être un genre de labyrinthe en pierre. Ah, est-ce qu'ils ont peur là-dedans? Pour l'instant, ça n'a pas l'air. Bon, en tout cas, ouais, décor bien sympa comme d'habitude. Je vais aller voir la carrière maintenant, j'ai hâte. Et puis, pour finir la vidéo, on ira faire le premier concours d'obstacles. Avec le décor écossais, j'aimerais bien voir ce que ça donne. Donc, on va repartir. Est-ce qu'il pleut sur le... Non, il pleut pas. Ah, si, il pleut. Alors, oh là. C'est beau le ciel en tout cas. Bon, avec mes jeunes chevaux, je vais bien galérer au début, hein. On a des bâtiments là en fond, derrière les chapiteaux. Ouais, je sais pas trop ce que c'est. On voit quand même des collines, etc. Un beau paysage. Bon, il pleut, donc on ne voit pas très loin. Les obstacles ont l'air simples, hein. Ça me fait un peu penser à la deuxième saison. C'était la saison européenne, je crois. Ouais. Bon, bah là, ça va être pour s'entraîner, hein. Ça va pas trop changer pour nous, mis à part le décor.
Et donc, on va aller tester un petit concours pour voir comment sont décorés les obstacles. Ça va nous changer de la saison sous-ouest. Alors voilà tout ce qu'on peut gagner. Donc il y a quand même des belles coloris. Hein. Je vois qu'il y a du bleu ciel, il y a du marine pour le cheval. Là on a quoi? Du rouge rose. On a à peu près la même colorie pour le cavalier. Une selle noire. Bon après des trucs un peu écossais, la petite jupe, le petit béret. Mais ouais ça a l'air pas mal quand même pour les couleurs. À voir si je prends le season pass ou pas. Je vais peut-être changer de cheval. C'est vrai qu'il ne les monte plus du tout sur ce compte, je suis vraiment que de la repro. Donc là, on recommence toute la saison. Donc, il va falloir déverrouiller tout chaque concours. Alors, on voit des tonneaux, en bois. Ça a l'air sombre quand même, hein. Pourtant il devrait pas censé pleuvoir dans le manège. Pas beaucoup d'éclairage. Les obstacles ont l'air plutôt simples, hein. Ouais, il n'y a pas trop de déco, mis à part les tonneaux. Bon, à voir par la suite pour les autres concours. Je pense que je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Là, j'étais vraiment pressée de vous montrer la nouvelle saison. N'oubliez pas de faire la mise à jour pour pouvoir y accéder. Alors, on voit que les flots sont quoi? Rouge, bleu, jaune. Ça change aussi. Et on va pouvoir gagner un beau tapis bleu ciel. À bientôt!